comme l'amande dans un mojito. Ils t'ont mis la tête sous l'eau et pressé comme les citrons qui l'accompagnent avec la peau. Ils ont souvent joué de toi, hypocrite en sincérité, usant trop de ta bonne foi, jusqu'au burn-out à pleurer. La honte ne recule devant rien, quand le malheur des autres fait jouir la fiabilité du vaurien, et quand il ne peut réussir. Alors il jalouse et fait part, et joue de toute sa panoplie, pour ainsi mettre tout à l'écart de ce qu'il y a de mieux devant lui. Tu aurais pu être prêcheur, tant ta gentillesse à l'égard des gens côtoyés au labeur respirait pas le traquenard. Par les bons services donnés à ses serviteurs turpides, par ses coups emmagasinés, et ta façon d'y rester digne. Tu as fait toute ta carrière, espérant une reconnaissance, mais de l'autre côté de la barrière, il n'y avait rien de cette quittance. Les rois ne quittaient que leur siège pour d'éventuelles remontrances, pour mieux protéger leurs arrières et se dorer dans leur mouvance. Comme l'amande dans un mojito, ils t'ont mis la tête sous l'eau et pressé comme le citron qui l'accompagne avec la peau. Ils ont insisté royal pour ton départ offert un pot, après un discours magistral plein de bonté qui sonnait faux. Tu aurais pu être prêcheur, tant ta gentillesse à l'égard des gens côtoyés au labeur respirait pas le traquenard. Par les bons services donnés à ses serviteurs turpides, par ses coups emmagasinés et ta façon d'y rester digne. Et pour une dernière fois, tu franchiras la porte salie par ces hommes qui se veulent droits au sang noir des rouges habits. Que ceux qui ont encore affaire doivent porter comme un étendard d'une société dont le derrière sent plus la vase que les dollars. Mais un jour, force de leur ego qui les amène face au mur, alors stupides bêtes et nigauds, le nez cassé dans les fissures. À n'avoir jamais écouté certains conseils dits de bassesse, ils baisseront leurs pantalons et se feront botter les fesses. Tu aurais pu être prêcheur, tant ta gentillesse à l'égard des gens côtoyés au labeur respirait pas le traquenard. Par les bons services donnés à ses serviteurs turpides, par ses coups emmagasinés et ta façon d'y rester digne, tu aurais pu être prêcheur, tant ta gentillesse à l'égard des gens côtoyés au labeur respirait pas le traquenard. Par les bons services donnés à ses serviteurs turpides, par ses coups emmagasinés et ta façon d'y rester digne.